première impression, c'est que nous vraiment satisfaits du match que nous avons remporté aujourd'hui. La qualification, ça, c'est un bagage qui est vraiment historique pour nous, pour le pays, nous, nous rentrons dans l'histoire. Ça fait nous vraiment plaisir et nous espérons que tout haïtien enjoy le moment. Ça. Mais chez nous, tu es estimé que tu es très calme pendant toute semaine. Non? Et vous concentrez, vous avez fait une interview, vous avez fait une interview après la qualification. Tu es sûr de ça? C'est sûr que moi, je suis sûr de ça parce que nous ne sommes pas venus passer à côté des qualifications, nous sommes venus pour qualifier. Donc, je suis très focus sur ça que je suis venu faire ici. Je suis en mission, donc je suis essayé de mettre toute distraction de côté parce qu'avant, nous avons fait un peu erreur ça. Donc, nous ne sommes pas venus faire erreur. Donc, nous servons de leçons du passé pour nous avancer ce jeudi. Et je remercie mesdames parce que vous avez sacrifié ce jeudi. Je suis là chez Souterrain. Et c'est sûr que je suis très calme parce que je connais la qualité qui occupe mon Souterrain. Je connais qu'il y a des choses de, vraiment de, très talentueuses. Donc, c'est sûr que le bas côté jouer côté Batiba, Nerilia, Rose, Laure et tant d'autres. Donc, c'est sûr que je suis confiant dans le match-là. Et je connais qu'à n'importe quel moment, je vais faire la différence. Dieu m'a donné la possibilité de marquer deux buts, donc je suis très contente de pouvoir aider mon équipe. Donc, mais j'espère que là, ils sont contents et ça fait encore. Expliquez-nous deux goals. Le premier. Le premier but, on a dit que. Mais là, il y a un goal le premier. Oui, parce que je connais la qualité moins et je connais que je suis capable de faire mal avec la vitesse là, comme ça, pas conduire deux balles moins. Là, moi, je viens dans. Dans cette face-là, donc, je connais que j'ai un bon tir. Il a dit qu'on vient tirer. Et moi, je me concentre sur ça, que je ne prends pas de chance. Et je me donne une possibilité pour me tirer. Donc, après, je me donne conscience, je me dis, bon, allez, qu'on est capable de faire ça. Et ensuite, c'est sûr, au bon pas je me connais comme si on était capable vraiment de gagner. Donc, c'est nous-mêmes qui actrices, c'est nous-mêmes qui sommes terrain, nous-mêmes qui connaissons l'effort, nous-mêmes qui connaissons les sensations. Donc, mais moi-même, je ne connais pas le rentrer, je ne vais pas cacher tout. Que les gars, je me shooté. Je suis shooté et je me suis battu en tête. On a prouvé ça et je me suis célébré. Vous mettez deux goals à la prochaine coéquipière qui est à la Lyon et tu vas à la chambre là. C'est sûr que c'est un beau gardien et moi j'ai beaucoup de respect pour Endler. Lui fait un beau match même si l'équipe est arrivée perdue. Parce que quand l'équipe est tight dans le match là, il était prêt pour aller à la Coupe du Monde. Mais nous-mêmes, nous étions encore plus prêts parce que le match là, c'était un match décisif pour nous. Donc, c'était plus mon gagnant, plus envie quand tu as parlé. Donc, j'ai beaucoup un peu de respect pour lui. Moi, j'espère que la prochaine fois qu'il est qualifié pour la Coupe du Monde et qu'il est capable de remonter dans la Coupe du Monde. Là. Quand tu parles de Lyon et ce transfert magnifique vers ce grand club européen. Donc, pour moi, c'est un rêve qui sort comme tu as gagné. Moi, je finis par réaliser. Je dis Dieu merci. Qui s'est ajouté à une équipe lyonnaise. Il y a plus grand club féminin dans le monde. Donc, moi, vraiment heureuse. Et on connaît que c'est vraiment encore plus exigeant, donc on continue à progresser. C'est un bon milieu pour un jeune Tankoum qui a assez de bonnes qualités. Et on espère aider le club là et continuer à briller et remporter beaucoup en plus de trophées avec lui. Son club qui va avoir l'opportunité d'exceller davantage. C'est sûr. Merci beaucoup, félicitations quand même. Merci à vous.